Ouvrir grand ses oreilles peut permettre de changer de regard sur son quartier. C'est l'idée des soirées de découverte musicale. Salle Jacques-de-Cour, les derniers réglages sont effectués sur scène. Dans quelques instants, 11 enfants du centre de loisirs assureront la première partie d'un mini-concert de musique classique. C'est un projet de, comme son nom l'indique, de découverte musicale. On veut faire découvrir des nouveaux genres musicaux dans le quartier. Donc là, ce soir, c'est de la musique classique avec à chaque fois une première partie. Et les premières parties, donc, c'est à chaque fois des acteurs du quartier qu'on fait jouer. Soit c'est des enfants, des adultes qui ont la pratique de la musique. Mais il est important de préciser que ça reviendra cycliquement tous les 2-3 mois avec des genres à chaque fois nouveaux. On a choisi un répertoire assez varié et surtout où il y a des thèmes qui reviennent dans les publicités ou dans les films. Pouvoir donner l'accès à la musique à des publics qui ne sont pas forcément qui sont pas habitués à ces musiques-là. Voilà, donc musique baroque, musique classique et musique contemporaine. Sur scène, les percussions laissent place aux guitaristes qui, après seulement quelques mois de pratique, maîtrisent déjà leurs premiers accords. J'ai joué un morceau que j'ai inventé. J'ai fait mon imagination. Après, j'ai pris les 5 morceaux, les 5 accords que j'avais et j'ai fait avec. C'est dans le cadre de la pré-école. On vient chercher les enfants à 4h moins le quart, là, le soir. Donc là, c'est jeudi soir pour la guitare, pour les grands. Donc tous les jeudis, ils viennent au Fontenelle, ils font à peu près un atelier d'une heure, une heure et demie de guitare. Et donc, ils apprennent la guitare d'accompagnement, c'est que des accords. Et donc du coup, j'aurais montré 5 accords. Et après, j'aurais demandé de choisir dans ces 5 accords, 3, 4, ou tous les 5 accords, et fabriquer un morceau, de se lancer et de faire le morceau eux-mêmes. D'autres rendez-vous musicaux vont être organisés dans le quartier. Cette fois, le jazz et le fado seront mis à l'honneur.